Et bonjour à tous, c'est Brian, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Watch Dogs 2 pour l'épisode 16. Allez, on continue l'émission. Alors on va voir maintenant les messages qu'ils ont mis dans la fusée. Alors, on descend, on est dans notre QG. Voilà. En mode beau gosse! Allez, Captain Kirk, le lancement va avoir lieu. Arrête avec Kirk, moi c'est Sisko. Quoi? Le vieux rapport? Capitaine Sisko. Dans quelques minutes, Bloom sera à notre merci. On va tellement faire notre biatch! Témoin. 20, 19, 18. Hé, hey, 1795, AZERTY, Googleplex. Rien qu'en imaginant la masse de données qu'on va récupérer. J'ai une demi-molle de compète et envie d'écrire des poèmes en même temps. 3, 2, 1, décollage! Ah ouais! Wouh! Mortel. Oula, carrément. Waouh, wow, regardez ça. Il y a une sacrée vue de là-haut. On va leur faire voir c'est qui qu'on est à ces gros bâtards. Le réseau de Bloom est encore plus étendu qu'on le pensait. Mais doit forcément y avoir un moyen d'entrer. Forcément. Je suis en train de relever des points d'accès. Heureusement que certains de ces hubs présentent des vulnérabilités. Cool, on y va. Les bureaux de Bloom sont à Yongsan. Si on leur rendait une petite visite. Problème. Passerait les SML à sécurité adaptative, impossible à contourner. Je pourrais passer des mois dessus sans arriver à rien. Non, Josh. Il y a toujours un moyen. Eh ? Qu'est-ce qui arrive au data center pendant une coupure de courant ? Leur onduleur prend le relais. Pourquoi ? Et s'il marchait plus non plus ? Le firewall serait désactivé et on se rapprocherait du Delaware. C'est génial, Reg ! Faut trop qu'on fasse ça ! Justement, vu que t'en parles, Citara. Quoi ? Quoi ? C'est ça, c'est pas trop. J'en sais si c'est pas trop. Quoi? Soit tu sens qu'elle n'a pas été. Je sens que tu as 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 été. Je sens 열전자 박수 상태는 심각한 상태입니다. 저거 왜 씹어 보시면 Il y a un ordre, il y a quoi à faire? Pas compris là. Tu peux rien faire. Ah ok, ça met, ok.
putain. Si ouvert, j'ai pas compris. Est-ce qu'il faut tout retirer? Faut tout retirer. Toi, toi, tu es un peu plus de temps. Tu es un peu plus de temps. 소지가 계속 상승합니다. 죽어먹을. 국민이가 날아갈 판이군. 조파 존업을 방역시켜. Fucked. Ça, c'est bon. Putain, mais qu'est-ce que t'as foutu, Wrench? J'ai coupé le courant. Besoin d'autre chose? Wrench, la finesse c'est pas ton truc. J'ai jamais dit que ça l'était. J'ai déjà fait un coup comme ça, Wrench. Il y a eu des émeutes. Les gens sont morts. J'espère que ce genre de truc, ça t'inquiète pas. Regardez-moi ce matos! Wrench, je suis en train de baver là? Je suis désolé, mais là, je bave tellement fort que j'entends pas ce que tu dis. Tu vas t'en sortir avec leur serveur, Josh. Je crois qu'on devrait se comprendre. Voilà. Josh, t'es un putain de killer. Merci, Ray. Il reste quoi là? C'est bon. Ah mais là il y a un problème. Ça il m'en manque. Bienvenue en Irlande, les gars. Bienvenue à Dublin. Merde! Je pensais que c'était Dublin, voyons, moi!
On va jeter un petit coup d'œil, histoire de se mettre à l'aise. Et voilà. Hey, on a accès au Delaware. Quoi? Il a raison, regardez. À nous, Delaware. On va récupérer ce qu'on a dû chercher. Bah dis donc, là, je dis chapeau. Allez, c'est parti. On est sur le point de récupérer les métadonnées de Bloom. Ce coup-ci, c'est le bon. Bien sûr, mon pote. Quoi ? Putain, c'est gigantesque. Oh, putain ! Vous avez vu la taille de ce truc ? Ça change rien, les gars. Ouais. Ils veulent vraiment que personne puisse y accéder. Où mon drone? Il est là. Non, moi je veux le drone. C'est déjà stressant à la base, mais alors quand t'as du monde qui te regarde... Marcus... Marcus... Sérieux? Tu vas me faire ça maintenant? Marcus! 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 Eh, hey, vous voulez pas un peu aller vous faire foutre? Ça c'est bon.
Au début c'est très facile mais ça après ça se complique. Hein. Et voilà. Tiens, je vais leur laisser un petit souvenir quand même. Marcus, qu'est-ce que tu vas faire? C'est une surprise. Quoi? Quoi? Attends. Ça a marché? Deux secondes. Ah, t'as vu ce que j'ai fait? T'en as trop dans le crâne, gros. Allez, va-t'en. Falloir un temps fou pour tout éplucher. Hey, faut qu'on trouve pourquoi ils utilisent des satellites. Ray. T'inquiète, je suis déjà dessus. Bon dieu de bordel. C'est un backbone. Un backbone par satellite? Et la latence? Ils peuvent pas arriver à égaler le débit de la fibre optique? Si les données sont exactes, c'est déjà le cas. Bloom a réussi, ils ont plus besoin de câbles sous-marins avec leurs satellites. C'est un vrai bond technologique. Si ça marche, les hackers mettront des années à rattraper le retard. Bah pas nous. On est déjà dedans. Et y a qui parmi les clients de Bloom? Alors on a Noodle, on a Invite, on a Tagdis, on a Galilei, il y a même le gouvernement et jusqu'à la bourse de New York. Attends, ça veut dire que toutes ces entreprises ont accepté de faire passer leurs données via Bloom? Y'a que moi qui trouve ça suspect. Toutes ces données entre les mains de Bloom, ils vont avoir le monopole le plus puissant au monde. On peut pas détruire le backbone? Non, non, et même si on pouvait, on a besoin de réponses. Hé, tout le monde, écoutez-moi. Notre boulot est loin d'être terminé, mais avec ça, au moins, on n'est pas largué. Alors, prenez une cible. Invite, Tidys, ce que vous voulez. Et creusez. Cherchez des trucs qui sont pas censés faire, ok? Dushan veut faire de nous les méchants. On va lui montrer ce que c'est que d'être en guerre avec DeadSec. Ouais. Ouais. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu le sais très bien. J'ai grillé ta petite combine. Je veux pas que tu utilises Marcus dans ta guerre personnelle contre Bloom. Pourquoi tu me sors toutes ces conneries? Je suis au courant pour Raymond Kenny et ses fameux dommages collatéraux. On s'utilise les uns les autres ici. Ça a toujours été le deal, Citara. Marcus, c'est un grand garçon. Il sait se débrouiller tout seul.
Bien sûr. Chelou. Tête sec. In a free and just society, every person is treated with dignity. In a free and just society, leaders are accountable to those they govern. And in a free and just society, individuals can rise as far as their talents and hard work will take them. Trouvez-vous que la société soit juste? Vous considérez-vous libre? Vous faites confiance à la démocratie et vous pensez que votre voix compte? Mais les entreprises possèdent les politiciens et contrôlent les élections. Croyez-vous au pouvoir du marché libre? La bourse n'est rien d'autre qu'un spectacle de marionnettes pour les riches. Votre argent est contrôlé par des gens dont vous ne savez rien. Pensez-vous que le gouvernement vous protège? Au contraire, le ministère de la Défense protège le gouvernement contre vous. Ne nous croyez pas sur parole. Rejoignez-nous pour notre plus grande opération et voyez par vous-même. Les fondements de la politique américaine sont mensongers. La démocratie, le marché libre, la sécurité nationale. DeadSec vous révélera la vérité. Faites-en ce que vous voulez. Nickel. J'ai un truc à pirater. Non, salut. Viens là, toi. Rentre dedans. Ouais. Marcus, Josh est en train de décortiquer les données de Galilée et il aimerait te montrer quelque chose. Cool. Quel genre de truc, au juste? Rentre dès que tu peux. Ça pourrait être énorme. Si j'aurai le temps de finir, ça fait un peu peur. Bon, on va voir un coup les points de compétences. Qu'est-ce qu'on a? C'est un peu en 3D. Il y a quoi? C'est l'infiltration, donc bon. Militaire. Ça fait flipper, ces conneries. Imagine ce qui arriverait si Bloom étendait le CTOS au monde entier. À des pays sans réglementation, ou à d'autres où les dirigeants l'utiliseraient sciemment contre. Donc, on a combien de points de recherche? 17. Bon, on va faire un petit tour pendant ça. Bon, ça, on peut pas. Contrôle. On peut pas. Thank you.
assez. Et puis assez. Comme ça. Pour le peuple. Oh, ce serait un cauchemar. Un vrai scénario catastrophe. Oh, et à mon avis, le projet est déjà entamé. Comment on pourrait faire pour l'arrêter? On continue à attaquer les boîtes associées. On fait connaître les risques, les abus. Se battre contre Bloom directement, ce serait perdu d'avance. Il faut qu'on salisse leur image et qu'on anéantisse leur nom de marque. Marcus, on a trouvé la perle dans le foutoir de données de Galilei. Et cette perle, elle est à Tidis. Vas-y, j'écoute. Ren, chez moi, on bosse sur un plan secret. Ce serait plus simple de t'expliquer si tu venais au garage. D'accord. Bon, voilà, on s'adresse pour cette vidéo. Alors, n'hésitez pas à liker ma page Facebook, Twitter, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner. J'espère que ça vous aura plu, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, salut!